Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend la dernière fois sur Opération Market Garden du jeu Company of Heroes Opposing Front. Et on s'était arrêté à mission 4 qui s'intitulait Autoroute 69. Sans vilain jeu de mots s'il vous plaît dans les commentaires. Je vous sens arriver tout de suite. Donc ainsi, Autoroute 69. L'essentiel à l'Opération Market Garden, les chars du 30e Corps britannique avancent sur Autoroute 69 pour relever les parachutistes. Le camp de Kruppelaer a été mobilisé près de Valkenwaard, je sais pas comment on prononce, je m'excuse. Son objectif consiste à occuper la ville pour retarder le 30e corps. Donc je voulais vous dire tout de suite, j'ai pas réussi à résoudre des problèmes de ralentissement, je m'en excuse. J'en ai aussi maintenant en multi, et apparemment ça viendrait pas de moi, mais ça viendrait de la nouvelle version de Steam. Donc voilà, on va faire avec. Et je vais suffire avec la cinématique. Avec la destruction du pont d'Osterbeck, les forces ennemies doivent trouver une autre route pour Arnhem. Le 30e corps anglais avance implacablement sur l'autoroute 69, surnommée Autoroute de l'Enfer. Ça va être à nous de lui faire mériter ce nom. Le Kampfgruppelaer doit empêcher la machine de guerre ennemie d'avancer. Donc voilà, vous avez remarqué que ça ralentit un peu. Il faut savoir que les Allemands vont énormément harceler le 30e corps, ce qui va beaucoup retarder justement de leur avancée. Et ce qui va leur permettre justement de garder Arnhem et en quelque sorte de faire échouer Opération Market Garden. De 1 parce qu'ils ont eu les documents, et de 2 parce qu'ils vont avoir les bonnes idées. Là, ils attaquent, ils harcèlent le 30e corps pour faire en sorte qu'ils stoppent, qu'ils s'arrêtent pour contrer justement les menaces. Et ça va être un peu là justement cette mission-là, c'est pour nous illustrer justement ça, une. Notre but c'est vraiment de stopper, d'immobiliser l'attaque ennemie. Voilà. Ça c'est vraiment le but initial de notre mission. Et j'espère que ça se déroulera aussi bien que pendant mes entraînements. Parce que mine de rien, rien n'est moins sûr. Attention, Kampfgruppelaer, entrez dans Falkensbad et éliminez le commandement ennemi. Je trouve le son très faible. Après, c'est bon. Voilà, ça n'a pas été pris en compte le dernier coup. Formez les groupes de combat et foncez sur la cible. Donc, je vous présente une nouvelle unité, le Marder 3. Donc, tout de suite, je vous explique. Qu'en est ce véhicule? C'est un véhicule que vous pouvez déployer. Le véhicule sera certes immobile mais gagnera en cadence de tir. Et possède un très faible blindage ce véhicule. Je préfère le dire tout de suite. Mais gros point fort de ce véhicule. C'est que même gros point fort tout court du camp de groupe R, c'est que tous ces véhicules là sont extrêmement efficaces contre ce qu'ils sont. Ça c'est un véhicule anti-char qui fait un carnage, faut dire ce qui est, hein. Là, ça fait son petit carnage, ça fait son effet. Et contre les véhicules, c'est une terreur. Certes peu blindé, mais c'est une terreur. Et justement, c'est là-dessus que se repose beaucoup la stratégie avec le camp de troupes R. Ça se repose sur le. De 1, vos véhicules sont rapides. D'accord? De 2, vous possédez une puissance de feu énorme, mais vous possédez, là par exemple, la faiblesse avec ces canons-là, c'est que ça reste des canons anti-char. Je reprends après. Les éclaireurs du Kampfgruppe signalent que le 30e corps britannique sera bientôt dans notre secteur. L'autoroute 69 va les amener directement dans la ville de Falkensvard, ici. L'avant-garde des Anglais s'est déjà déployée en ville, et ils essaient d'établir une base d'opération. Les forces ennemies sont dirigées par le commandant de blindés britannique Earl Woomer. Entrez dans la ville et éliminez son groupe de combat.
Dès qu'ils se replient, occupez la cathédrale locale. Établissez une ligne de ravitaillement et installez un QG avancé ici. Exécution immédiate. Nous devons vite infiltrer la ville pour tendre une embuscade au 30e corps. Donc comme je vous l'ai dit, votre comme vous avez joué avec Command Conquer, ça va pas être joué un peu à manière traditionnelle avec, la Wehrmacht. Ça va être beaucoup mobilité. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment la clé de succès avec cette faction. Et surtout embuscade. Quand je dis embuscade, c'est tir de flanc, tout ça. C'est vraiment. Chasseur de chars Marder 3M en soutien. Réjouissez-vous, Panzer. Montez sur le châssis d'un Panzer 38T. Attendez deux secondes, on l'entend pas en fait. Parage des chars tire des obus de 75 mm qui percent presque tous les blindages. La puissance de feu du Marder sera indispensable pour neutraliser le char de commandement de Bomber. En gros, vous avez. J'ai pas pu augmenter le son, donc je m'en excuse. En gros, il disait qu'il était équipé avec un canon de 75 mm, qui était faiblement blindé, mais très puissant contre les chars ennemis. Enfin, je vous résume en vite fait ce qu'il vient de dire, en fait. Je m'excuse que vous l'ayez pas entendu, mais c'est aussi un bug de cette version-là. Oui, je le dis honnêtement, je déteste la version Steam qu'ils ont faite. Hein. Je ne le cache à personne, je le dis haut et clair, la version Steam est une aberration énormément mal optimisée, c'est une catastrophe ça. Alors que pourtant le jeu de base tournait mieux, donc je sais pas comment ils ont pu faire une version pire que le jeu de base, pour vous dire. Donc ouais, je préfère le dire tout de suite. Donc très important cette mission là, avant de continuer vraiment la mission, prenez, comme moi j'ai tendance à dire, prenez position, une position un peu d'invasion. Dans le sens que vous prenez tout ce que vous pouvez prendre sur le tour. Vous avancez, vous constatez qu'il avance petit à petit. Mais très important, c'est vraiment de prendre tout ce que vous pouvez prendre. Hein. Parce que plus vous avez de ressources pour assurer la mission, mieux ça sera en fait. Et j'en profite aussi, comme j'ai déjà dit pour la mission de Storbeck, on reviendra dans cette sur ce lieu-là. Donc, je préfère le dire tout de suite. Ça peut. Certaines personnes préfèrent mettre plein de choses déjà de prévu. Ouais, je vous le dis. Donc voilà. Ouais. Voilà. Et le petit conseil que je vous donne, essayez de mettre des postes de soins un peu partout déjà. Oh. Une petite attaque, c'est rien du tout. Et de mémoire, il y a une mitrailleuse en face de moi. Là. Ah bah non, je me suis trompé. J'ai rien dit, je m'en excuse. Voilà, qu'on a l'incendiaire comme tour extrêmement efficace. Vous l'avez déjà expliqué une fois. Quand vous sortez pas des bâtiments, vous voyez, un homme y reste. Voilà. Que demander de mieux, hein. Donc vraiment ce qu'on va faire là c'est ça va prendre, la mission va sûrement être mise en deux vidéos hein, ou vraiment une très longue vidéo. Je vais mettre une très grande vidéo, ça sera mieux. C'est que la préparation pour cette mission est indispensable, notamment prendre les deux flancs. Vous comprendrez après pourquoi. Prendre les deux flancs, ça
ça aide pour la suite de la mission, plus souvent pour un objectif secondaire que je vous expliquerai. Maintenant je pourrais recruter les troupes là. Oui, parce que il faut faire la recherche de soins dans le QG pour avoir le truc de soins. Mais bon, je peux tout remettre mes troupes à côté maintenant normalement. Donc alors, mon but c'est vraiment de déloger, de démolir en fait ce qu'il y a ici et d'aller bloquer là. Je montre ici ce pont là. Quand j'ai bloqué, c'est de le faire sauter. Pour faire en sorte que les troupes d'infanterie qui doivent aller là soient obligées de passer par eux. Voilà. Le plus important c'est de faire ça au nord, au sud c'est facultatif mais conseillé de le faire. Maintenant on va prendre... Bon, je suis obligé aussi d'être prudent, voilà, ça va être un peu gênant pour vous. Ça va être de renforcer et de réparer mes véhicules. Donc voilà. Maintenant, pour éviter que ça soit trop long pour vous, on va revenir un peu sur comment vont gérer les Allemands. Comme je vous ai expliqué rapidement, ils vont décider d'attaquer le 30e corps. Et leur but, ça va vraiment être de faire en sorte soit de faire une embuscade. Par exemple, vous positionnez vos troupes sur une colline où l'ennemi est obligé de passer par là. Passer à proximité de la colline et notamment avec les 88 qui vont installer, vous faites une razzia carrément, vous rasez totalement les véhicules qui passent par là. C'est la première solution. Ou la deuxième solution, vous patientez en fait. Vous voyez, vous patientez, vous minez. Quand je dis patienter dans le sens, vous minez les routes et ils sautent sur les mines que vous avez installées. Je sais déjà, je vois la question venir à des kilomètres. Mais c'est logique. Oui. Je dis parfois des choses un peu bêtes, mais bon. On prend un peu raison. J'essaie d'éviter de faire des trucs complexes. J'essaie de rester assez simple. Et quand je dis miner, c'est vraiment miner. C'est pas des petites bombes. Des petites bombes. En plus, comme je dis, c'est marrant. C'est vraiment, ils y vont pas de main morte, hein. Bon, le point... Disons que, j'allais dire, le point fort d'une telle stratégie... Ah bah voilà, je vais essayer. Voilà, je viens de vous montrer en fait, c'est comme ça que normalement il faut jouer avec eux, c'est vous foncez avec les Alt-Track, vous déposez vos troupes et voilà. Donc ça va être soit miner les routes, soit faire des embuscades, soit des attaques rapides et efficaces sur leur poste de commandement, comme on en est normalement en train de faire là. Je sais la question, pourquoi une attaque rapide et efficace sur un poste de commandement? Pour la simple et bonne raison que quand vous détruisez le... Quand je pose le commandement, je pense aussi à tout ce qui est radio, tout ça. Quand vous mettez en l'air tout ce qui permet de communiquer avec l'armée, quand j'ai l'armée, c'est surtout pratique quand vous êtes l'avant-garde. Donc voilà, quand vous détruisez tout ce qui vous permet de communiquer avec eux, comment vous faites pour coordonner? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vraiment être ça en fait, l'objectif. Bon, je m'excuse, il y a mon chat qui veut sortir, je reviens tout de suite. Donc me revoit, excusez-moi, voilà, c'est mon chat qui voulait sortir et en plus elle avait faim avant de sortir. Donc, voilà. Très bien. Donc, comme j'ai commencé à expliquer, l'autre technique c'est de faire une attaque éclair sur les postes de commandement. Notamment sur le poste de commandement de l'avant-garde. Parce que le but en fait c'est de... Vous visez la chaîne de hiérarchie, donc le commandement, voilà, tous ceux qui coordonnent, les... voilà. Comme ça vous désorganisez en fait l'armée ennemie tout simplement. Et ça leur permet justement aux...
au tour allemand qui a le but, c'est de gagner du temps pour Arnhem. Ça leur permet donc de gagner du temps. Ouais, c'est ça. Ça leur permet donc de gagner du temps pour pour reprendre Arnhem. Voilà, parce qu'il faut se rappeler en même temps qu'il y a ça, il y a les troupes britanniques à Arnhem. Et l'objectif en fait c'est justement de repousser les troupes allemandes, les troupes anglaises pour les Allemands, qui se situent à Arnhem. Et il leur faut du temps. Et le but ça va être de faire en sorte que. Déjà je vous rappelle de 1 qu'il y avait une division blindée à Arnhem hein, qui était en repos. Donc la mission ça va vraiment être de. On positionne tout vers Arnhem. Voilà. On fait en sorte que notre division reprend vite la ville. Et les divisions à l'extérieur ont pour objectif de neutraliser. Plutôt de faire gagner du temps à nos troupes armées. Voilà. Ça c'est un peu la stratégie qu'ils vont essayer d'adopter les Allemands. Hein. Alors, honnêtement, avec du recul, cette stratégie a payé. Parce que c'est, faut dire c'est vraiment la meilleure stratégie qu'ils avaient au moment venu. Étonné qu'ils ont. Ça leur permet deux choses. De 1, ça leur permet de ralentir la progression ennemie. De 2, ça leur permet de prendre possession. Parce que c'est vraiment ça, de prendre possession des quartiers d'Arnhem. Parce que on a beau dire, ouais, vous êtes équipé d'un bazooka, tout ça, c'est facile. Vous êtes à pied contre des personnes qui sont armées de chars. On a beau vous dire, c'est bon, c'est facile, ils sont à pied. Reste néanmoins que vous êtes à pied, c'est ça que je veux dire. Ah, et c'est vraiment ça, c'est leur but en fait. Bon, de toute façon, il y a une mission qui remontera à Arnhem, donc j'expliquerai comment ils marcheront là-bas. C'est vraiment de faire gagner du temps à leurs troupes qui sont en fait plus haut vers la route. Vous voyez, qui sont un peu plus loin. Donc pour ça, ben rien de mieux que viser la hiérarchie ennemie. Hein. En fait, une attaque éclair, vous détruisez la hiérarchie ennemie. Alors, votre attaque est parfaite. Là, hein. Voilà. De toute façon, toutes les personnes qui sont un peu stratèges vous le diront, le meilleur moyen de gagner dans une guerre, c'est de briser la hiérarchie ennemie. Ou de frapper fort psychologiquement. Là, c'est une des meilleures moyens. Après, voilà. C'est pas vraiment. Ça permet pas forcément de gagner la guerre, mais c'est un bon moyen de gagner une bataille, ça. Et là, si on prend l'opération Market Garden, le fait de briser la hiérarchie, d'empêcher l'ennemi de bien coordonner, de gagner du temps, de retarder l'avancée ennemie, tout ça. Ben, c'est ça qui va faire gagner finalement les troupes à Arnhem. Tout pas le monde va. Parce que suffit qu'on prenne, par exemple, voilà, avec des sous, on pourrait changer tout ce qu'on veut. Voilà, mais on prend le fait que si jamais ils auraient pas fait ça, les troupes allemandes seraient arrivées extrêmement vite sur Arnhem. Les troupes alliées, excusez-moi. C'est-à-dire que 30e corps aurait été arrivé à Arnhem, peut-être que ça aurait secouru les troupes anglaises, et donc ça aurait peut-être permis aux Anglais de faire en sorte que cette opération soit une réussite. Parce que c'est surtout ça qui est important, c'est de regarder aussi ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est de regarder un peu ce que ça aurait pu devenir s'il y aurait eu un petit changement. Ah, c'est. Hop, 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 hop. Ordre bien reçu. 40-57. Commencez les réparations. Ouais. C'est. Le plan des Anglais, faut dire, avec le 30e corps était extrêmement ambitieux. Ouais, il était pas mal bien pensé aussi. Hein. Parce que ouais, ça visait vraiment toutes les choses un peu importantes. Victoire, attaque rapide. En fait, ils ont pris, si vous préférez, pour Palace Market Garden, tout ce qu'ils faisaient à la doctrine de la Blitzkrieg. Avec une exception, c'est que on précédait ça d'une opération aéroportée.
Mais en gros, c'était à Blitzkrieg. C'est que vous coordonnez un immense assaut blindé rapide pour prendre rapidement une position clé. Et qu'est-ce que t'as à Blitzkrieg ? C'était vous détruisez tout ce qui... Vous avancez rapidement pour encercler les ennemis. Avec le soutien de l'aviation, tout ça. Là, c'est un peu quand même du light, hein, ce que je vous dis. En réalité, c'est vraiment plus complexe que ça, mais... Bah, c'est... N'empêche que c'est quand même une bonne partie quand même, de la vérité, ce que je vous dis là. Prêts à intervenir. On attend vos ordres. Section parée d'infanterie ennemie. Donnez-nous vos ordres. Sortez-les en grenade. Au contact. L'ennemi attaque. Oh non. Oh. Bon, tant pis, c'est pas trop grave. Je vous écoute. Coordonnez bien. C'est qu'un groupe, quoi. L'ennemi est partout. Ce qu'on va faire, normalement en fait ce que je fais, bon là j'ai plus le choix vu que j'ai pas mon tour, c'est que là j'essaie après d'avancer avec celle-ci pour capturer ce que je peux capturer. Vous voyez là je capture ici. Je vais te faire repousser tout de suite parce que je vais prendre des risques. Le but c'est quoi en fait? C'est que vous avez constaté, vous prenez les flancs, vous capturez après tout ce que vous pouvez capturer. Là vous voyez, vous êtes derrière, vous capturez. Vous neutralisez carrément le positionnement. Là. Ah oui, important, vous augmentez la portée en immobilité. Je le dis tout de suite. Et vous avancez, vous voyez, petit à petit, voilà, vous capturez tout. Bon, on capturera tout par la suite, je vous rassure. Par contre, j'essaye d'éviter d'endommager mes véhicules parce que je peux plus y réparer ceux du nord. Enfin, je peux y réparer si j'arrive à ramener mon infanterie là-haut. Mais vous constatez que mon infanterie n'est pas là-haut, donc il faut qu'on se contente des vies actuelles. Donc voilà. Équipage prêt. Voilà. Maintenant, technique, il y a des mitrailleuses en fait. Je préférais sur le cercle extérieur, je crois que je décide. Il y a une défense assez légère que vous pouvez battre facilement avec vos véhicules de reconnaissance. Car ils ne sont pas abrités. Et plus vous approchez du centre-ville, notamment de l'église, plus les troupes ennemies sont bien retranchées. Et plus c'est des troupes lourdes en fait. Ouais. Là par contre ça m'embête drôlement que ça soit des... L'ennemi nous canarde. Unité wagon au rapport. On se rend là-bas. Compris. On bouge. Bien. Mardeur paré. Compris. Je confirme la position de l'ordre. Je m'en excuse encore du lag. Je m'en voudrais jusqu'à la fin de cette vidéo de toute façon. Je compte vous faire tout comprendre du fil rose. Donnez-nous vos ordres, on se déploie vers le secteur. Équipage, préparez-vous pour une attaque en charge. On pourrait me dire de reprendre la version autologie, mais... On peut y aller s'y rendre tout de suite, chef. J'ai du mal à réinstaller correctement. On se prépare pour une attaque anti-char. On est prêt à passer à la banque. Allons-y. Et je vous présente le char de commandement. Ce char-là ne sert à rien. Est incapable de détourner un autre char vu qu'il n'y a pas de canon. Mais booste les unités à proximité. Voilà. C'est comme ça que vous faites maintenant pour... C'est leur gros point fort en fait. C'est que vous venez, leur véhicule, d'une règle générale, sont un peu plus rapides que ceux de la Wehrmacht. Donc voilà, c'est ce que vous faites. Vous venez avec une vitesse, vous débarquez vos troupes à côté. C'est pas le moment de traîner.
c'est notamment pratique pour tous les doctrines d'infanterie, parce que pour ceux qui adorent jouer à l'infanterie, bah vous venez, vous pouvez renforcer vos troupes avec ça. Ce sont des véhicules assez tenaces. Moi je vous conseille d'améliorer dans la défense. Parce que meilleure défense, mieux vous pouvez apporter les troupes d'infanterie proches. Vous voyez, là je débarque, je lance une grenade, je rembarque, je peux repartir en gros. C'est... Ah ouais, c'est... Ça se joue en grande partie comme ça. C'est... Je dis pas que ça se joue que comme ça, mais c'est... C'est ce qui va vous permettre quand même de vous donner une grande facilité quand même. Vous voyez la cadence de tir quand même. Le Stuart m'a tiré une fois, j'ai eu le temps de tirer 4 fois. La ville n'est pas sûre. Replions-nous et informons le reste du 30e corps. Char de commandement du Commonwealth éliminé. Les observateurs du 30e corps se retirent de Fallensvard. Il faut établir une base d'opération avancée, et vite. Vous, amenez-nous là-bas. Ça marche à tous les coups. Ces crétins d'anglais sont perdus sur leur commandant. Bande d'idiots. Occupez la cathédrale et améliorez-la en caserne de campagne. Cela servira de base d'opération avancée à nos Kampfgruppen. Tout QG avancé doit être alimenté par une ligne de ravitaillement. Sécurisez les positions stratégiques le long de la route. Il nous faut garder une ligne de ravitaillement opérationnelle vers nos positions avancées. Les forces de reconnaissance ennemies se sont retirées de Falkensvard. Les grenadiers du Kampfgruppe ont commencé l'installation d'un QG dans la cathédrale. Ici. Le 30e corps va bientôt arriver. D'après nos précédentes rencontres avec la 9e division de Panzer-SS, la formation est lourdement blindée. Le 30e corps a pour ordre d'avancer le long de l'autoroute et de relier ses zones de largage dans le secteur. Le Kampfgruppe LR doit empêcher les forces britanniques de prendre les secteurs stratégiques le long de cette route et retarder la colonne. Regroupez le Kampfgruppe et établissez une ligne de défense juste devant le village. Posez des obstacles ici et là. Si nous parvenons à retarder le 30e corps jusqu'à la nuit, les forces du Kampfgruppe LR auront assez de temps pour s'occuper des autres parachutistes qui atterrissent au nord. C'est ce que je vous expliquais justement un peu plus tôt, hein, avec les lignes de ravitaillement de l'église ont été établies. Grenadiers, rassemblez-vous et marchez vers les coordonnées indiquées au nord de la ville. Établissez des défenses. Il nous faut des armes anti-chars et des obstacles sur la route. L'ennemi ne va pas tarder. Allez! Nous occupons la cathédrale. Installez une caserne de campagne. Et ce véhicule là où... Il faudra d'autres mardeurs pour retarder le 30e corps. Installez le QG de chasseurs de chars près de l'église pour les déployer. Ici. On est pris sous un feu lourd! On se fait vraiment pilonner ici! Ok, on avance tout de suite! Donc ce véhicule là, c'est un véhicule en fait qui vous permet de sécuriser les zones et de capturer. Et piéger tous les bâtiments qui pourraient servir d'abri à l'ennemi. Massacrez-moi ces fusiliers. Véhicule au rapport. On essaie d'éviter de vous traiter. L'ennemi s'affaiblit de jour en jour. Vous finirez ça dehors. On sort. Les grenadiers ont établi une caserne avancée. Il y a un parc idéal pour construire une base avancée à l'est de l'église. On doit se préparer à accueillir l'avant-garde de la colonne du 30e corps britannique. Nous devons agir vite. Envoyer de nouvelles recrues et établir une base. Bon. Section préparez-vous pour une marche. Après, vous pouvez mettre des explosifs dans les bâtiments. Si jamais une unité qui rentre dedans, elle le fait exploser. Bon. Ah, ça, c'est du traditionnel. Véhicule opérationnel. Je me charge de la mitrailleuse. Bon, avec cette unité, vous vous débrouillez pour capturer les points qui vous manquent. Prenez et tenez, voilà. Faut capturer en entier, voilà. Troupes prêtes. Ouvrage achevé. Section, préparez-vous à partir. Grenadier, donnez-nous vos ordres de mission de chasseur. Voilà, et ce véhicule. Vous comprenez maintenant l'avantage de pourquoi j'ai tout capturé tout de suite.
Vous constatez que j'ai tellement de ressources maintenant que je peux tout développer. Formez une patrouille de combat et piégez cette position stratégique. Brûlez la zone si nécessaire. Allez, renforcez la ligne de défense avec ces canons anti-chars abandonnés. Non, c'est meilleur temps de prendre des canons anti-chars motorisés. Motorisés parce que c'est sur chenille, c'est pour ça que je précise. L'objectif est à nous. Vous vous rendrez rapidement compte qu'ils sont beaucoup plus efficaces que des pauvres canons anti-chars que vous pouvez récupérer. Préparez-vous, ça va secouer. Des grenades anti-chars sont disponibles pour éliminer les blindés sur l'ennemi. Les réparations avancées sont disponibles. Bâtiment terminé. Demandez les mardeurs. Demandez des mardeurs. Déployez-les autour de la ville pour endiguer toute contre-attaque. On va en prendre 3. Et on va en prendre 3 aussi, comme ça. Amélioration de la section. La section se met en repris. On avance pour conquérir la cible. Grenadier à vos ordres. Amélioration en cours. Bah, je vais vous montrer quand même. Voilà. Je vais piéger le bâtiment là. Véhicule enfin prêt. On progresse vers le dépôt de carburant. Ne perdez pas de temps à poser des obstacles au milieu du chemin. Déployez-les autour des cibles pour empêcher les véhicules de les contourner. Nous devons leur bloquer le passage ou les attirer sous nos canons. Alda Yeager prêt. Quels sont les ordres? On attend vos ordres pour avancer. Ça va nous prendre un moment, chef. J'ai pas fait gaffe aux populations que j'ai demandé. L'avantage de ces obstacles-là, c'est que vous pouvez pas les écraser avec des véhicules. Et parce que vous avez les petits obstacles. En gros, vous avez deux types d'obstacles anti-chars. Vous avez les minuscules obstacles anti-chars et les gros. Les minuscules obstacles anti-chars, si vous préférez, par exemple, peuvent être écrasés par un type, par un Pershing, par un véhicule très gros. Alors que ces obstacles-là anti-chars ne peuvent être détruits uniquement par une seule unité, l'explosif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité qui est capable de faire froid. Vous êtes obligé d'utiliser des ressources de guerre, donc des munitions, pour être capable d'occasionner des dégâts. C'est... L'objectif est sous contrôle. On vous reçoit 5 sur 5. Parlez. Hop. Toi, tu vas te mettre ici. Oui, chef. Un mardeur de plus serait pratique quand même. Faut savoir que normalement il coûte plus cher de mémoire les unités, mais bon, vous voyez 5 points. Panda Yeager prêt, mardeur sans résoudre. On met les chasseurs de tellement rien. Une attaque anti-char. La section de Panzer Grenadier reçoit des renforts. Et tout de suite, je vous dis d'améliorer vos troupes avec des mitrailleuses. Des fusils d'assaut. Ouais. Parce que ce sera vraiment une arme qui vous sera très utile. Et amélioration, réparation avancée, vous verrez, ça... Ça augmentera la résistance vraiment à la durée de vie de vos unités. Et l'utilité aussi de ces obstacles-là, c'est que ça vous fournit un couvert. L'utilité, c'est que parfois, moi, je prends que mes unités d'infanterie derrière. Je le dis, voilà, c'est... C'est très pratique pour se planquer derrière, mine de rien. Donc voilà, je vous informe. Il y a encore eu ce bug-là, tant pis. C'était un bug souris, je me suis débassé à gauche, je vous précise. Des Shurshield, des Firefly, des Shurshield, des Firefly. Du 30e corps vient d'entrer dans la zone. Préparez-vous à l'assaut. Vous avez constaté déjà, on a déjà fait péter un blindé. Voilà, c'est...
Chasseur de chars attend les ordres. Joli tir. Préparez-vous à bouger. Équipage prêt. Compris. On améliore le char. Bon, on va positionner ici un peu une petite défense. Grenadier, come per right. Grenadier, prêt. Section se met en marche. Nous poursuivons, commandant. Prêt. Ya, Marder, attend vos instructions pour avancer. Tenez votre position. Restez en colonne. Je prépare le dernier de combat. Rechargez. Allez, sortons-nous de là. Arrivons ici. Commencez à sortir les ennemis. Ici Marder, donnez-nous vos ordres. Vous pouvez transmettre. Ici Marder, j'attends les ordres. J'accélère. Merde. Garez-vous ici et commencez à sortir les ennemis. Marder au rapport. Équipage, préparez-vous pour une attaque au tir. On peut y aller, Contournez le village, je répète. Marder se prépare pour une attaque anti-char. Panzer grenadier au rapport. Et ouais, on va prendre un petit char de plus. Préparez-vous à bouger. Amélioration du char en cours, commandant. Bien, Marder par les chefs. Équipage char se prépare pour ses ordres de route. En justement, je vais réorienter pour qu'il puisse mieux pondre là-haut. Hein. Le mardeur, chasseur de chars, se prépare pour une attaque anti-char. Section, aux ordres. Vous allez voir ce que le 30e corps va vous mettre. Placez les ennemis, donnez-nous les ordres tactiques. Voilà. Et je vous présente le pilonnage de secteur. Il tire en fait un tir d'artillerie dans toutes les unités ennemies qui se trouvent dans la ville. Là, sa version. D'accord, en fait je retrouve en fait où je me positionnais mes chars, je vais positionner en fait ici. Ça permet de tirer en fait. Trois tirs détruisent un Crowell, faut savoir. Donc une fois que vous savez ça, vous savez toutes les choses importantes. Putain, envoyez-nous des renforts. Voilà, on voit ça. Et votre infanterie, je vous promets qu'on va utiliser le rôle le plus important à cette mission, le fait qu'il soit capable de réparer des véhicules. Ça vous verrez, ça sera un peu ce qui sera un peu votre cadeau, c'est le fait que votre infanterie soit déjà bonne au combat et qu'en plus elle puisse réparer les véhicules, c'est génial. C'est juste génial, il n'y a pas de mots à dire. Bon, à part que je lag beaucoup. Saloperie de Panzer. Bon travail. Aucune chance face à nos grandes compétences au combat. Allez, ouais, on va tirer encore ça. Bon. C'est fumier. Il couvre les champs. Préparez-vous à bouger. Ils vont nous avoir. Ils nous prennent. Dégageons. Ah, terre brûlée. Terre brûlée, ça vous permet en fait de neutraliser un point stratégique. N'oubliez pas que ça empêcherait aussi nos forces d'exploiter ce site.
C'est pratique quand vous devez vous replier, vous laissez rien derrière l'ennemi. Et en multijoueur, c'est horrible parce que vous pouvez pas en perdre beaucoup de troupes pour essayer d'avoir des ressources en plus. D'un coup, vous arrivez à passer, et vous vous rendez compte qu'au final, tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien, étant donné que vous êtes obligé de reconstruire le point parce que l'ennemi l'a détruit. C'est horrible ça. Section, à vos ordres, postez-vous en défense à l'intérieur. On subit un feu lourd. À vos ordres. On tourne du terrain. Formez un groupe de combat et arrêtez-les. Accélération des chars en cours, commandant. Bien compris. Vous pouvez transmettre. Donnez la route à tout prix. Combattant prêt. Étrangement, quand ça devrait pas laguer, ça lague, et quand là ça devrait laguer parce qu'il y a quand même beaucoup d'animation, que ça serait déjà logique que ça lague, bah ça lague pas. C'est ça qui montre que je sais pas d'où ça vient. Bon, on va... On est prêt, commandant. Oui, chef. On s'y met tout de suite. On est attaqué. Préparez le combat. Le soldat nous signale que des canons automoteurs se placent à portée. Disperser les hommes pour éviter les pertes. Formez une patrouille de combat. Nous devons détruire cette artillerie. Exécutez vos ordres. Vol. Vol. Char. Le char se prépare à avancer. Oui, chef. Équipage au bordeur se prépare pour l'attaque anti-char. Francis Loss, coordonnées ok, on avance sur le repéré. À l'attaque. Ici, Mander. Quels sont les ordres? Quels sont les ordres? C'est comme une artillerie normale, sauf qu'elle peut se déplacer. Ici Mardeur, rapport, si vos évaluations ont donné nouveaux ordres. Si j'aimerais bien économiser ces véhicules et éviter de les perdre. L'ennemi attaque. Porte-brève détruisement. Ici Mardeur, j'attends le sort. Oui, ça demande beaucoup en fait de concentration pour faire en sorte qu'aucun de vos véhicules meure. Changez de cible. Prêt à intervenir. Parlez. Terminé. Cible détruite. Prêt pour une mission de combat. Si jamais vous perdez en fait des... quand ça perd vos blindés, là vous êtes dans la mouise. Vous pouvez parler, j'ai l'enfer ici. On attend. Plié devant notre puissance. Transmettez le message. Fait le combat. Ordre de marche. Formation en ligne. Intervalle tactique. On se met en route. Formation en ligne. Intervalle tactique. Contact. On attaque leurs éléments avancés. Vous pouvez parler, chef. Bon, et bien évidemment, toutes les compétences des chars, je vous les montrerai. Nous devons absolument les empêcher d'avancer plus loin. Je vous montrerai quand on jouera les anglais. Grenadier d'assaut. En avant. On fait le combat. On doit se déplacer immédiatement. Combat engagé. On attend les ordres. Attaquez une nouvelle cible. On reçoit une transmission. L'amélioration des chars en cours, commandant. Bien, Mander, bien joué. Rechargez. À vos ordres, rapport. Amélioration des chars, attend les ordres. Bien, Mander, parlez. Nous avons détruit une unité. Contact, contact. Donnez-nous nos ordres. Procédez aux améliorations. Prenez les outils. Joli tir. Préparez-vous à bouger. On est attaqué. Ripostez. Il y a une unité qui m'a infiltré. Parez au combat. Grenadier d'assaut. En avant, engagé. On attend les ordres. Donnez-nous nos ordres.
Voilà, dès que vous construisez des obstacles un peu lourds en défense, il est podé. Ça a une seulement pour que ça marche des munitions, mais bon. Oh merde, j'ai loupé, voilà. Des renforts de grenadiers d'assaut se préparent à être déployés. Section parée. Position repérée. La section se met en marche. Préparez les grenades. La section se met en marche. C'est bien des chasseurs bombardiers de la Luftwaffe disponibles. Les avions des alliés sont cloués au sol, ils sont inoffensifs. Marquez les cibles qui se présentent pour que les avions les bombardent. Hartung, pilonnage de secteur imminent sur les positions ennemies éloignées. La section parée. Nouvelle cible en vue. Groupe, grenade. Vous pouvez parler, chef. Amélioration en cours. Contact. On est prêt. Voilà. Grenadier d'assaut. Donnez-nous vos ordres. Les panzers passent à l'attaque. Fuyez. Ajustez vos tirs. Ajustez vos tirs. Grenadier d'assaut. Les blindés ennemis s'avèrent encore plus faibles que je ne le pensais. Et là, ça, on a quand même vraiment un avantage, c'est qu'on a un avion en fait. Vous le débloquez avec la technique de la Luftwaffe, ceux qui jouent en multijoueur. Et c'est pas un avion comme les autres. C'est le destructeur de char. Si vous avez un problème qu'on tempe des chars légers, c'est... y'a rien de mieux. Donnez-nous nos ordres. Mettez-y le feu. Attention, rechargez. Grenadier d'assaut. Par là-bas. Oui, j'ai équipage au boulot. Les dégâts sont de plus en plus légers. On attend, rejoint la position. Changez de cible, nos ordres. L'ennemi est partout. Bon, par contre, c'est mon infanterie qui morfle, c'est pas vrai. Voilà. J'ai aussi le soutien de mes chars, mais bon, c'est... N'empêche que ça reste comme efficace. Voilà. Continuez à retarder le 30e corps. Il ne va plus tenir bien longtemps. Section à vos ordres. Position relevée. Grenadier à vos ordres. Et comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est pour ça que j'avais pris un peu de temps de vous le dire. C'est vraiment ça en fait qui va faire que je veux dire honnêtement que les alliés vont échouer dans cette opération. C'est cette incessante présence d'aviation, on peut dire, allemande. Hein. Parce que vu qu'ils savent qu'ils ont rien à perdre et que s'ils font rien, ils perdent. Hein, ils vont déployer les avions même dans des cas critiques. Vous voyez Or que les alliés, je vous rappelle que de mémoire, la plupart des avions partent d'Angleterre. Bon, certes, ils ont maintenant, ouais, ils ont des bases aussi en France ou ça, mais il y a quand même pas mal d'avions qui partent encore en Angleterre, notamment tous les bombardiers. Et voilà. Ils ont eu beaucoup de problèmes de météo, ils considéraient que la météo n'était pas forcément bonne, ce qui va permettre en fait aux Allemands. Voilà, de défendre. Ils avaient leur aviation, en fait, tout ce qu'il a pu quand ils pouvaient sortir sans risque. Hein. Et ça a résulté le fait que... Je vais perdre des troupes. Ça va faire qu'au final, les troupes au sol, là, lorsqu'ils vont tenter un peu de stopper les... Regardez les chars qui sont endommagés là. Donc lorsque les alliés vont tenter un peu d'avancer, ben l'aviation ennemie, en plus des évident, puisque comme là on voit des véhicules
à détruire tout ça. Il y a une telle présence des avions que ça leur pose un problème. Hein. Pourquoi? Je peux pas expliquer comment ça se fait que les alliés n'aient pas déployé plus d'avions. On peut pas dire que c'est pas le fait qu'ils n'en aient pas déployé. C'est simplement que voilà, le commandement allié estimait que la météo n'était pas. Voilà. Dément, je comprends. Estimait que l'aviation n'était pas disponible à cause de la météo, voilà. On va vous dire, c'est tout à fait compréhensible, hein. La météo n'est pas bonne, on n'envoie pas les avions. Voilà. Le plus souvent, quand on n'a rien à perdre, on prend des risques. Vous voyez ce que je veux dire. Donc les Allemands vont vraiment profiter de la faible présence de l'aviation ennemie pour ben, justement gagner. Hein. Voilà, bon. Gagner cette bataille. Je précise, parce que je vous rappelle que de mémoire, l'Allemagne, plutôt même l'Axe, a perdu durant la Seconde Guerre mondiale. De mémoire, hein. Je doute, je suis pas certain de mes connaissances. Hein. Je crois que c'est comme ça. Non, plus sérieusement. C'est, y a des choses, de toute façon, quand on regarde, qui sont illogiques. On ne comprend pas pourquoi ça a été fait comme ça, parce que c'est pas raison parfois d'être. Et les Allemands, mine de rien, vont. Dans l'opération Market Garden, il va y avoir tellement d'erreurs du côté du commandement allié qu'au final, les Allemands ils vont être super contents. Bon, contents dans le sens qu'ils vont réussir à tenir. Pas contents dans le sens qu'ils vont gagner la guerre. Relativisons quand même un peu. Mais bon, voilà. N'empêche que le mal est fait. Quand vous avez un problème de commandement, tout ça, que vous... Parfois, il y a même des ordres... Pour vous dire, à des moments, vous avez même des ordres contradictoires. Ouais, vous savez plus quoi faire, et au final, ben voilà. Plus d'organisation, ben... L'attaque tombe à haut. Le soleil se couche, l'heure de la victoire approche. Oh, oh, oh. Donc, il y a des Churchill... Bon, en revenant sur le Churchill A, il est équipé en feu d'un canon obusier assez haut, je crois de 122 mm. Ce qui va lui permettre de faire énormément de dégâts en fait avec. Bien joué. Combat engagé. Parlez. Combat engagé. On a de la bombe. Explosez-les avec des grenades. Youhou. Joli tir. Préparez-vous à bouger. Yaha. Nous avons réussi. Nous avons stoppé le 30e corps. Non ? Qu'y a-t-il ? Belle performance, Kamp Gruppeler. Le 30e corps doit se replier et se rassembler. Devrait retarder leur progression jusqu'à demain matin. Rassemblez vos soldats, nous partons pour Pest. Donc nous avons un signe de la section d'assaut pour avoir réussi à tenir tous les points de victoire de l'autoroute 69. Donc vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Ouais, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, nous avons réussi tous les objectifs qu'il y avait, qui étaient notamment d'éliminer l'avant-garde ennemie dans la ville, d'établir notre propre camp et de tenir jusqu'à la nuit. Et nous avons aussi neutralisé toute l'artillerie automotrice ennemie avant même qu'elle ne tire un coup. Comme vous avez constaté, il y en a une qui arrive au nord, une qui arrive au sud. Celle du sud, si vous positionnez comme moi les Marder 3, vous détruisez tout de suite. Celle du nord, vous détruisez assez rapidement aussi. Et nous avons ainsi une section d'assaut. Prendre et tenir autour de 69, ce qui n'était pas trop dur à avoir. Donc, vite fait récapitulatif, vous essayez de capturer le plus de territoire avant de détruire le commandement ennemi, en début. Ce qui vous donnera plein de ressources qu'une fois, dès que vous avez le QG disponible, ben, vous construisez, plein de tout ce que vous avez faim. Vous faites toutes les améliorations, notamment la plus importante, c'est celle d'améliorer la réparation des véhicules pour votre infanterie. Et pendant toute la mission, vous devrez faire très attention à ça, c'est vraiment de réparer les véhicules.
Et j'encourage les personnes à vraiment améliorer peut-être 2 pour 1, mettre 2 points en attaque et 1 point en défense, ou tout mettre en attaque. Parce que vous constatez qu'un Marauder 3 totalement upgradé dans l'arbre de dégâts tire extrêmement vite quand il est mobilisé et fait très mal, même à des chargours. Donc voilà. Après, à vous de voir comment vous préférez. L'infanterie qui vous permettra de stopper l'infanterie ennemie et de réparer vos véhicules. Donc voilà, mais vous avez à peu près tout vu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore une fois qu'elle a été aussi longue, mais voilà, plus longue que d'habitude. Certains vous voient une plus longue, vous l'avez. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère toujours que vous appréciez mes vidéos, que vous êtes, que ceux qui me suivent ou qui commencent à me découvrir, j'espère que vous appréciez mon travail. Quoi qu'il en soit, si vous avez un truc à me reprocher, dites-le dans les commentaires. Je prends toujours du temps à répondre à vos questions. Donc voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.